je vais être habillée pareil, c'est normal, hein, vu que, comment vous dire, que, voilà, quoi, je les ai tous en machin, quand je suis arrivée de vacances, et ben, il y avait tout plein de trucs, j'ai perdu mon stylo, voilà, il y avait tout plein de courriers qui m'attendaient, donc, le numéro 31, on continue, et là, c'est Patty Scrap. Donc Patty, elle a une chaîne qui s'appelle Patty Scrap. Voilà. Donc, on va ouvrir son courrier. J'ai déchiré l'enveloppe. Ah non, ça va pas faire du tout. Ah non, non, non. Ça, c'est pas bien. Attendez. Ça va pas parce que... Je fais comment moi pour récupérer vos adresses? On va couper comme ça. J'ai fait une bêtise. Hop, couper comme ça. Voilà. Hop. Alors, Patty, sac à. Très joli. Sans plus. Oh, j'adore. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Hop. Alors, dans son sol, dans celui-là. Dans celui-là. Je vous la montre. J'enlève ça de là-dedans. Et je vous la montre. Alors, elle m'a fait une très jolie carte. Regardez, avec la pépette, là. La petite magnolia. Regardez comme c'est joli. Alors. D'accord. Ah oui, Méline, c'est vrai. Alors, Méline, je crois qu'elle veut aller dans les adultes. Alors, je vais la mettre dans les adultes. Je ne l'avais pas déjà vue. Retirez-moi un doute. Retirez-moi un doute. Non. Bon. Alors, Méline, je crois qu'elle veut être dans les adultes. Tu me rediras, Patty, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait être dans les adultes l'autre fois. Je crois que c'est ça. Donc, t'as le numéro 32. Donc, je vais mettre Méline. Si jamais... elle veut faire partie des enfants, et ben je la mettrai évidemment dans le concours enfant, mais je crois me souvenir qu'elle m'avait demandé, et puis je vais te mettre en 33, toi Patty. Donc voilà. Donc il y aura le numéro. Il y a deux numéros sur l'enveloppe. Donc le 32 et le 33. Voilà. Le 32, c'est Méline. Et le 33, bah, c'est toi. Voilà. Donc. On va découvrir ce qu'elles m'ont fait. Donc, une belle carte, déjà. Ensuite, elles m'ont fait un beau tag assorti à la carte. Super, joli. Moi aussi, je vous embrasse. Vous êtes adorables. Continuez comme ça, les filles. Je vous aime très fort. Vous êtes, adorables. Je mets ça là. Voilà. Et puis elle m'a fait un joli, une jolie enveloppe comme ça. Hop. Et dedans, il y a. Oh, il y en a plein de choses dedans. Alors j'ai une jolie ATC. Thème botanique. Donc voilà.
Je ne sais comment ça s'appelle ça, c'est un ATG. Feuillage. Très joli. J'adore la petite tortue. Hein. Je trouve ça super mignon. Donc voilà. Alors, Méline, elle a fait un tuto sur la chaîne de sa mamie ou de sa maman, je sais pas d'ailleurs. Donc je vous encourage à aller voir. Le problème, c'est que j'ai deux. J'en ai deux et je ne sais pas lequel est Méline. Enfin, c'est pas grave de toute façon. Ah si, fait par Méline. Alors voilà, Méline. Alors, elle a fait ça super bien. Allez voir sur sa chaîne. Elle a fait ça divinement bien. Et elle s'est éclatée à faire ça. Alors j'espère que vous êtes bien amusées, les filles. Et voilà celle de Patricia. De pâtisserie. Voilà. Et elle m'a fait plein de découpes aussi. Hop, je remets ça là-dedans. Et c'est encore tombé. Hey! Pas possible ça. Oh là là. Léa. C'est incroyable, mais ouais. Donc les découpes. Bon, il y a des fleurs. Je vous montre comme ça. Parce que. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, entre autres, des papillons. Oh, sublime. Des papillons magnifiques. Des napperons qui sont patouillés. Alors moi j'adore. Hein. Oh, j'adore quand c'est patouillé. Alors, il y a plein de faux patouilles qui ont été découpés avec des découpes en fait. Et j'adore. C'est super gentil, quoi. C'est vrai que c'est agréable de faire ces fonds. Voilà. C'est vraiment agréable. Voilà, et puis il y en a des comme ça, des avec des fleurs, des engrenages que je vais pouvoir moi patouiller, des serrures, enfin des chevrons, une chaussure. J'essaie de vous montrer celles qui sont différentes. Alors, des napperons, le magnifique napperon patouillé. Alors, attendez, hop. Le magnifique napperon. Et puis, à mon ami des blancs, donc je vais pouvoir les patouiller à mon tour. C'est parfait, les filles. Vous êtes adorables. Alors, j'ai plein de découpes blanches. Et moi, je vais continuer ce que Méline et puis. Et puis Patty en fait, Patricia en fait, comme ça ben, j'aurai aussi des découpes patouillées à mon tour. Hop, 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 on met tout ça dedans. Allez, rentre dans le petit sachet. Allez. Bon. Voilà. Bon, hop, je mets tout ça dedans. Je remets tout ça dans son enveloppe. Voilà. Et hop. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Donc, vous avez le numéro 32 et 33. Là, on passe au suivant. Le suivant me vient de Isabelle B. Elle est du 59. Alors Isabelle. Belle Isabelle. Alors j'adore. Regardez.
J'adore, hein. Alors ça, je les récupère, moi. Hein. Les tamponnages comme ça, moi, je les récupère parce que je trouve ça super. C'est coincé. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Comme ça. Hein. Alors ça, c'est rigolo. Parce que elle me l'a fait sur le thème d'Halloween. Regardez son joli ABC. C'est joli, hein. Quand on a faim, la citrouille veut... Quand on a faim, la citrouille vaut mieux qu'un carrosse. Ah bon, ça, c'est tout à fait d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu as une chaîne? Alors, en fait, ton pseudo, c'est Loubec123. Alors, elle vient souvent sur mes chaînes, hein, Isabelle. Elle vient souvent sur ma chaîne. On la voit souvent. Alors, j'adore. Regardez, elle m'a mis un petit bout de dentelle froufrou comme ça. Super gentil. Merci beaucoup. Et elle m'a fait... Alors, sa carte. Voilà. Ouais, mais non. Oh, t'es un tout petit peu en avance, mais c'est sympa. T'es mignonne. Merci. Merci, ma belle. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Ça me touche énormément. C'est vraiment adorable. Vous êtes tout, de toute façon, adorable. Moi, Alors, hop, on va sortir tout ça. Hein? Alors, elle m'a fait une petite loodie d'enveloppe, comme ça. Super mignonne. Il y en a des deux côtés. Donc, dedans, il y a une fée. Un château avec un squelette. Deux. Je dirais une petite souris, ou je sais pas. Fantôme. Alors, elle m'a fait des ATC. Alors, j'ai des ATC, la 3 sur 6, hein. Et le thème, c'est Happy Halloween 2021. Donc, j'ai celle-là. Bou, 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 3 sur 3. Adorable. J'ai élégance, la 2 sur 3. Voilà, alors avant d'aller rejoindre toutes mes petites ATC. Fait pour toi. 6, 4 sur 6. Très joli. Voilà. Alors ça, on va le remettre là-dedans. Alors je vous montre. C'est adorable parce qu'il y a un petit sticker. Voilà. Encore que je mets ça là. Je remets tout ça. Alors les ATC vont aller dans la boîte des ATC, évidemment. Parce que le dernier concours que j'ai fait, je vous avais demandé 4 ATC sur 4 thèmes différents. Et enfin sur le thème des saisons. Et j'en ai reçu tout plein qui sont dans une boîte là, juste à côté de moi. Et voilà. Hop, donc de ce côté-là. C'est bien ça, des petits happy mail comme ça, c'est vraiment sympa. Oh, puis là, il y a une jolie breloque. Je vais vous la montrer. C'est joli. Hein. Alors, dedans ces petites boîtes, elle m'a mis quoi? Des secrètes. J'adore les petites enveloppes secrètes. Alors, attendez. Je récupère. Oh. Le crâne. Ils sont adorables. J'ai la chance d'en avoir deux. Elle m'a mis des petites images qu'elle a découpées dans un journal. Super idée. Merci beaucoup. Et elle m'a mis des petites breloques. Alors, j'ai une petite breloque chauve-souris. Merci. Une petite breloque araignée. Merci beaucoup. Une petite breloque... Oui.
Je sais pas. Tu me diras, Patty, tu mets en commentaire ce que c'est, parce que je sais pas. Voilà. Et puis, ça me sera bien utile pour m'en servir. Et puis, donc, dans un petit, une autre petite enveloppe château, elle m'a mis des découpes. Alors, des petites découpes citrouilles. Hop, hop, hop. Une chauve-souris. Un petit fantôme. Une autre bébé chauve-souris. Des petits fantômes. Une citrouille. Le mot bou. Une petite sorcière. Ça, c'est des petits fantômes, je les ai montrés. Ah non, celui-là, vous n'avez pas vu. Un château. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, ma belle. C'est très gentil de ta part, Isabelle. Donc, Isabelle. Isabelle. Il m'en restait une, je vais la mettre là. Ah, bah alors, le bout, il est parti aussi. Alors, Isabelle, tu auras le numéro 34. Et je vais mettre... Et je vais marquer Isabelle. Voilà. Hop. Je te remercie beaucoup, ma belle. C'est très gentil. Ton ABC est magnifique. Alors, les ABC vont aller dans une boîte que je vais fabriquer parce que j'ai pas trouvé de boîte assez grande pour les mettre. Et puis, comme je veux pas les coucher, que je veux qu'elles restent debout, et ben voilà. Donc, tu as le numéro 34. Hein. 34. Hein. Ben vous savez quoi, j'ai encore perdu le... mon bouchon. Bon, ben c'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Ensuite, nous avons la participation de Virginie. Alors vous connaissez Virginie, c'est Lunasia. Ah. Donc voilà. Et elle est en Belgique, Lunasia. Vous la connaissez, elle a une chaîne. 35. Alors si vous la connaissez pas, ben allez faire un tour sur sa chaîne. Hop. Alors il n'y aura pas de numéro 31 dans le sens où j'ai mis Patty Scrap deux fois. Donc hop, il n'y aura pas de numéro 31. Voilà. Hop, c'est décidé. Bisous. Bah ouais, j'ai mis deux fois la même. Pourquoi, j'en sais rien. C'est tout à fait moi, ça. La fatigue, certainement. J'ai mis deux fois, j'ai attribué deux fois un numéro à Patty. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, ma petite Lunasia m'a fait quoi? Oh, elle m'a fait un joli ABC. Il faut toujours viser la lune. Car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Regardez. Non, ça, c'est un tampon que j'ai. C'est un ancien tampon d'action. Et qui est très joli, d'ailleurs. C'est vrai que je ne pense jamais à l'utiliser. Mais avec les fleurs et tout, c'est super joli. Et puis, il y a marqué tendresse. Très joli. Et Lunasia, elle m'a fait une petite carte toute choupinette. Ah, une carte chevalet. Super jolie. Génial. Merci Lunasia. D'accord, ma puce. J'adore son tampon aussi.
Super joli, j'adore. C'est très joli. Et elle m'a fait aussi plein de découpes. Voilà. Hop. Donc elle m'a fait des découpes. Alors des petites découpes. Alors d'abord les grandes. Elle m'a fait une découpe comme ça. Une découpe feuillage. Une autre comme ça. Des découpes feuillage. Et, mais en fait, je croyais que c'était un tampon, mais c'est un die, donc je dois pas l'avoir. Parce que, putain, ça me rappelle quelque chose. Bizarre. Mais ça me rappelle quelque chose. Pourtant, on a eu des petits bonhommes comme ça, des petits nounours comme ça. Mais bon, c'est une découpe. Donc, excuse-moi, je pensais que c'était des tampons que tu avais détourés. Non. Bon, d'accord. On a eu des petits nounours comme ça qui ressemblaient à ça chez Action il y a déjà quelques années de ça. Hop. On m'a mis ça dans un joli petit cellophane comme ça, c'est super avec des petits cœurs. Alors nous avons quoi? Des petits ronds. Des petits. Oh, ça va être super. Je pense que ça doit être un hérisson. Un appareil photo. Des petits ronds. Une petite flèche. Enfin, une petite. Des feuilles. Des bonbons. Encore des bonbons. Un biberon ou un bocal comme vous voulez et une autre fleur. Donc je te remercie beaucoup ma belle, tu es adorable, enfin vous êtes toutes adorables d'ailleurs hein. Moi je vous aime toutes très fort. Voilà, hop, je te remercie beaucoup ma chérie. Alors je te remets dedans ton enveloppe. Voilà. On va mettre ça là. Voilà. Voilà. Ta carte est adorable. Je trouve ça super gentil. Je crois bien que j'en ai jamais reçu des cartes comme ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu des cartes chevalées. Donc, l'Asia, tu as le numéro 35. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous aime.